vous avez passé de bonnes vacances. Alors, on va commencer la journée avec le partage de quelques productions. Vous m'avez tous, avant les vacances, envoyé vos productions sur un nouveau domaine. Donc, je vais privilégier les enfants dont je n'avais pas lu les productions sur la dernière fois, d'ailleurs, qui me fait des très bonnes productions. Donc, je commence avec Baptiste. Rappelez-vous, le démarrage de la production, c'était hier dimanche, après une journée somme toute banale, la sonnette a retenti. J'étais seule à la maison, je me demandais qui pouvait bien sonner. Et la surprise, c'était un cambrioleur masqué. Je l'ai fait rentrer et je lui ai dit « Je vais dans ma chambre et je reviens ». J'ai pris un casque anti-mensonge, lui ai ordonné de le porter et lui ai demandé « Qui êtes-vous ? » « Votre voisin », a-t-il répondu. « Donc vous êtes un cambrioleur ?» ai-je dit. « Mip !» a retenti la machine. Ensuite, on a entendu des pan, 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 boum, boum. J'ai appelé la police un peu plus tard et un blindé a détruit ma maison. Des policiers louches ont tiré partout. « Stop !» ai-je crié. « Non, non, non » m'ont-ils répondu. « Dégagez d'ici avant que je n'explose de colère !» leur ai-je demandé. « Non, si, non, si !» C'est nul, ont-ils dit, mais soudain, un gang est venu tout empirer avec un gang chinois dont un homme à gros bras. Je vais t'écraser, microbe, oula, oula, aïe, m'a crié le gros bras. Ont dit tous les autres. Qui est votre prochain volontaire pour se battre? Ai-je rétorqué. Moi, moi, ont répondu les autres. Des poum, poum et des moi, moi ont retenti. Tu en es certain? Ai-je demandé. D'autres volontaires? Ai-je ajouté. Pourquoi? Ont dit les autres. Bonne chance pour la reconstruction de ma maison sans pause, sauf pour manger et boire de l'eau sale en punition, leur ai-je ordonné. Ça rigole pas avec Baptiste. Hein. Alors là, j'ai un très très bon travail de Lily qui nous a bâti une histoire en lien avec son projet art sur son robot. Je sais pas si vous vous souvenez, elle avait fait un petit robot comme ça, qui ressemblait à ça. Et du coup, elle a créé une histoire à partir de son robot. Hier dimanche, après une journée somme toute banale, la sonnette a retenti. J'étais seule à la maison. Je me demandais qui pouvait bien sonner. Je suis allée ouvrir et la surprise, c'était un tas de ferraille. J'ai dit « Il y a quelqu'un ?» Personne n'a répondu. Alors je suis repartie chercher un sac. Quelques heures plus tard, je me suis dit qu'il ne fallait surtout pas montrer tout ça à mes parents. J'ai donc commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire avec ce tas de ferraille. Le lendemain matin, mes parents sont rentrés et ils m'ont demandé « Y a-t-il quelqu'un qui a sonné ou appelé pendant notre absence ? » Après un moment de silence, j'ai répondu « Non, rien de spécial. » J'avais peur que mes parents se rendent compte que j'avais menti. Tout à coup, j'ai eu une idée. « Je pourrais faire un robot ?»« Tu parles toute seule maintenant ?» dit mon frère à côté. J'ai commencé à dessiner des plans pour faire mon robot, puis petit à petit, j'ai construit mon robot. Chaque jour, j'ai ajouté des pièces. J'ai tout de suite trouvé un nom à lui donner. « Boulon ». Il faisait dans les 80 cm de hauteur. Quelques semaines plus tard, je leur ai dit « Te voilà, je lui ai dit, te voilà enfant terminé, Boulon. Maintenant, je pense qu'il est temps que je te présente à ma famille. » Le jour même, je suis descendue avec Boulon. J'avais peur, mais j'étais à la fois contente. Alors, j'ai dit à mes parents et à mon frère « J'ai quelque chose à vous montrer. Je vous présente Boulon, un robot que j'ai fait. » J'ai eu peur qu'il me gronde, mais à ma grande surprise, ils ont été fiers de moi, avec une légère pointe de colère. Et voilà, Boulon est devenu mon robot et aussi mon nouvel ami. C'est très bien. Très bien, Lily. Auguste, il a reçu la visite, une visite très spéciale. Donc, je suis allée ouvrir la porte et la surprise, c'était le Père Noël. Il m'a demandé « Où sommes-nous ? » Je lui ai répondu « En France, dans les plaines de Beauce, près de Chartres. » Il m'a demandé bizarrement et m'a interrogé. Il m'a regardé bizarrement et m'a interrogé. « C'est quoi les plaines de Beauce? Est-ce loin du pôle Nord ?» Je lui ai expliqué. « Les plaines de Beauce, ce sont de grandes étendues où l'on cultive des céréales. Nous sommes au centre de l'Europe, encore à quelques milliers de kilomètres du pôle Nord. » Il a hoché la tête et il a commencé à m'expliquer son histoire. « Je voulais faire une petite balade avec mes reines, car j'en avais marre du confinement. » Je devais rester à 1 km de chez moi. J'ai dû en m'endormir car les rennes se sont amusées à parcourir la terre. Lorsque je me suis réveillée, j'ai dû atterrir dans ton grand jardin pour me repérer. Je voyais bien que je n'étais pas chez moi. J'ai écouté son histoire avec attention et je lui ai proposé « Veux-tu un café ou une petite part de gâteau au chocolat ?» Je savais que le Père Noël était gourmand.
Il m'a répondu, « Je veux bien un café pour me réveiller car mes rêves m'ont fait perdre la tête. » En apercevant sa hotte, je l'ai interrogé. « Pourquoi promènes-tu ta hotte ? Nous ne sommes pas encore à Noël. » Il m'a répondu, « Oh, je perds la tête, je suis un vieil homme fatigué. Il faut que je rentre vite me reposer. » Déçu, je lui ai dit, « Oh, veux-tu dormir ici ? On peut trouver une petite place pour toi et tu repartiras en pleine forme. » Le Père Noël a expliqué, « Je n'ai jamais dormi chez des étrangers, je passe tout le temps la nuit lorsque tout le monde dort. Je vais vite rentrer chez moi. Je t'offre ces jumelles pour te remercier, car je sais que tu es curieux. » Je l'ai remercié en lui sautant au cou et en lui faisant un gros câlin. Avec mes jumelles que le Père Noël m'a données, je l'ai regardé partir et j'étais vraiment triste. C'est bien, c'est original. Et il a très très bien respecté les règles du dialogue que j'avais imposées. Enfin, je vais terminer aujourd'hui avec le texte de Barbara. Hier dimanche, après une journée somme toute banale, la sonnette a retenti, j'étais seule à la maison, je me demandais qui pouvait bien sonner, je suis allée ouvrir et là, surprise, c'était mamie et papy. J'étais si contente que je me posais des questions comment ils étaient venus. Mais j'ai tout de suite oublié. « Mamie, papy, je suis si contente de vous voir !» Nous sommes partis jouer dehors. Papy a rétorqué vite. « Quel beau jardin !» Mamie a dit « Moi, j'ai trouvé ton jardin très chic. » Alors j'ai répondu « Ah, merci pour vos gentils mots. Mais maintenant, j'ai bien envie d'aller jouer dehors avec ce beau temps. » Ils ont tous les deux accepté. « La passe, papy. Tiens, tiens, merci. C'est tellement bien de jouer avec ses grands-parents. » Quelques heures plus tard, mamie a dit « Bon, je suis persuadée qu'on a assez joué. Allons prendre le goûter. » Je suis allée installer la table pour le goûter dehors. Papy était en train d'aider mamie à préparer le goûter, car elle a des problèmes de vision. Il est très bon votre gâteau et le lait bien chaud, bravo! Après le goûter, tout est bien rangé. Mamie, tu as envie de rester plus longtemps? Mamie a répondu. J'ai bien envie de rester plus longtemps, mais demain tu as école, n'oublie pas ma puce. Je leur ai dit tout à tous deux mes adieux. Au revoir et à bientôt, papy, mamie. C'est pas mal, papa. C'est très bien, mamie. Alors, aujourd'hui, donc, on va démarrer le travail avec une nouvelle notion de calcul mental. Donc, cette semaine, on va apprendre à calculer un nombre par 5. Donc, vous, évidemment, vous connaissez déjà vos tables quand vous faites x 5. Mais si on a un nombre qui est plus grand que 9, qu'on doit multiplier par 5, on va apprendre la méthode. Donc, quand on veut multiplier un nombre par 5, on va faire cette méthode-là. Quand on a 12 fois 5, comment calculer très rapidement 12 fois 5 ? En fait, on va commencer par calculer d'abord le nombre par 10, parce que ça, c'est très facile. Je vais pouvoir faire très facilement 12 fois 10. 12 fois 10, rappelez-vous, qu'est-ce que je fais quand je multiplie un nombre par 10 ? Je lui rajoute un 0. Donc 12 fois 10, le résultat, c'est, je vous laisse réfléchir, c'est 120. Une fois que j'ai multiplié mon nombre par 10, je vais le couper en deux, je vais en prendre la moitié, ce qui reviendra à faire la même chose que x 5. Donc la moitié de 120, on réfléchit, c'est 60. Donc mon résultat final de 12 x 5, ça fait 60. J'ai fait d'abord x 10 et ensuite j'ai pris la moitié, c'est-à-dire que j'ai divisé par 2. Prenons un autre exemple. Si je fais 30 x 5, 30 x 5, je commence par faire 30 x 10. Donc 30 x 10, c'est très facile, je rajoute un 0. Je fais 30 et je rajoute un 0, ce qui me fait 300. Maintenant, rappelez-vous, je prends la moitié de 300, je divise par 2. Si je prends la moitié de 300, ça me donne 150. Comme résultat final. Donc je peux dire que 30 x 5 est égal à 150. Ensuite, prenons par exemple 15 x 5. 15 x 5, je commence par faire x 10. Donc 15 x 10, je rajoute un 0, ça fait 150. Et quand je prends la moitié de 150, eh bien, je trouve 75. On fait un dernier ensemble. Si je fais 22 x 5, 22 je commence par faire 22 fois 10, ce qui me donne 220. Et si je prends la moitié de 220, je peux prendre la moitié de 200 et la moitié de 20, ce qui me donne 110. Donc si je récapitule, pour faire un nombre fois 5, je commence par le multiplier par 10.
Et ensuite, je prends sa moitié, ce qui revient à diviser par 2. D'accord? Alors maintenant, les enfants, on va vérifier si vous avez compris. J'ai écrit au tableau un certain nombre d'opérations que vous allez écrire sur votre ardoise et que vous allez essayer de résoudre tout seul. Donc vous mettez absolument cette vidéo sur pause maintenant parce que moi je vais passer à la correction. Je vais faire comme si vous aviez déjà fait votre travail. Donc là, vous mettez sur pause, vous écrivez les opérations, vous les résolvez sur votre ardoise en respectant les étapes x10 x20. Et je passe maintenant à la correction. Donc mettez sur pause. Ça y est, je passe à la correction. Donc vous allez vérifier si vous avez eu des bons résultats. Quand je fais 13 x 5, je commence par faire x 10. Donc je vais écrire les étapes. Quand je fais x 10, j'arrive à 130, je rajoute un 0. Et quand je divise par 2, si je prends la moitié de 130, alors pour ceux qui ont du mal, je peux décomposer. Je veux prendre la moitié de 100, la moitié de 100, ça fait 50. Et je prends la moitié de 30, la moitié de 30, ça fait 15. Donc mon résultat, ça fait 65. Si vous avez réussi à calculer directement la moitié de 130, c'est bien. Mais quand je suis bloquée, je peux décomposer le nombre. Quand je fais 31 fois 5, je commence par faire fois 10, donc 31 et je rajoute un 0, puis je cherche la moitié de 310. Là, c'est la même chose, je peux décomposer, je cherche la moitié de 300. La moitié de 300, vous savez que c'est 150. La moitié de 10, c'est 5, donc mon résultat final, ce sera 155. Ensuite, 50 fois 5, 50, je rajoute un 0, ça me fait 500. Puis la moitié, ça je peux le calculer directement, ça fait 250. 42 fois 5, je rajoute un 0 à 42, ce qui me donne 420. Puis je calcule la moitié de 420, donc ceux qui ont du mal, je peux calculer la moitié de 400, la moitié de 400 c'est 200. La moitié de 20, c'est 10. Donc mon résultat final, c'est 210. Mais vous avez très bien pu calculer directement la moitié de 420, c'est possible. Ensuite, 34 fois 5, je rajoute un 0, donc ça fait 340. La moitié de 340, je cherche la moitié de 300, ce qui me donne 150, plus la moitié de 40, c'est 20. Donc ça me fait 170 de résultat. Ensuite, 60 fois 5, je rajoute un 0, ça me donne 600 et la moitié de 600, ben c'est 300. Je le calcule directement. Enfin, 18 fois 5, 18 fois 5, je rajoute un 0. Donc 18 devient 180. Si je cherche la moitié de 180, je tombe sur 90. 23 fois 5, je rajoute un 0. 23 devient 230. Je cherche la moitié de 230. Je peux faire la moitié de 200, ce qui me donne 100. Et la moitié de 30, qui est égale à 15. Donc mon résultat final, c'est 115. Voilà, pour ce qui concerne la moitié de la compétence de calcul mental, demain, nous verrons comment nous faisons x50. Vous allez voir, c'est quasi pareil. Regardez si vous avez bien réussi ces calculs en vous corrigeant. D'accord? Si jamais vous voyez que vous êtes en difficulté encore par rapport à ces calculs, vous pouvez inventer vos propres calculs et vous faire corriger par vos parents pour voir si vous maîtrisez cette compétence. Donc voilà pour ce qui est la nouvelle compétence de calcul mental pour aujourd'hui. On continue donc notre matinée. Alors, vous allez pouvoir faire un temps de parcours. Certains d'entre vous, vous avez déjà fini toutes vos ceintures, bravo! Donc pour cela, je vais vous mettre un lien dans la description vers des petits problèmes qui rebrassent toutes les compétences de votre année de CM1. Donc travaillez sur ce document au rythme que vous voulez pour faire tous les petits problèmes. Une fois que vous aurez terminé ce dossier,
je vous donnerai des problèmes encore plus complexes qui vous prépareront du coup à l'année de CM2. Pour l'instant, on est plutôt dans de la révision et on va faire un rebrassage de tout ce que vous avez déjà vu. Et donc, rien de mieux que les problèmes pour voir si on a bien acquis les compétences de l'année. Et ensuite, on ira vers plus de complexité. Ensuite, donc, mais ça concerne un tout petit nombre d'élèves. Donc, ça, ils savent qui ils sont, ces enfants-là qui ont fini les parcours. Pour tout le monde, aujourd'hui, on démarre le texte 5 du dossier Fluor. Donc, vous allez faire le texte 5 qui s'intitule... comme d'habitude, donc on prépare son texte, ensuite on se chronomètre pendant une minute en lecture rapide. Après le texte Fluor, vous allez faire votre travail sur le passé composé. Donc on va terminer le dossier. Vous allez faire les numéros 5 et 6, page 15. Et aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle dictée. Alors cette nouvelle dictée, elle s'inscrit dans une période, je vais essayer de vous faire deviner, vous allez essayer de deviner de quoi il s'agit. Elle s'inscrit dans une période qui vient juste après le Moyen-Âge. Rappelez-vous, on a travaillé dessus pour l'avant-dernière dictée. Après le Moyen-Âge, après l'époque des châteaux forts, vient une nouvelle période où on découvre de nouveaux châteaux. On avait vu ensemble le château de Chambord. Est-ce que vous avez en mémoire le nom de cette période? Oui, c'est la Renaissance. Donc, à la Renaissance, on avait parlé de François Ier et on va étudier ensemble un génie italien qui a vécu à cette période de la Renaissance. Alors, vous avez sûrement déjà son nom en tête. Un génie italien, je vous donne des indices. Il a été peintre, il a été architecte, il a été scientifique, il a fait des inventions. Et ce génie italien, il a peint... la peinture qui est devenue une des plus célèbres au monde, vous l'avez en tête, il s'agit bien sûr de la Joconde. Donc pour découvrir la Joconde, ou plutôt pour la redécouvrir, parce que je sais que vous connaissez déjà ce tableau, vous allez cliquer sur les trois liens qui sont dans la description. Trois liens qui vont vous faire redécouvrir qui est Léonard de Vinci et appréhender le mystère de la Joconde et pourquoi cette peinture elle est aussi célèbre. Ensuite, vous allez imprimer la fiche d'orthographe qui se trouve dans la description aussi, où vous trouverez les mots à réviser. Donc, une fois que vous aurez imprimé cette fiche, vous revisionnerez là ce que je vais vous dire. Pour le groupe 1, il faut réviser les mots jusqu'à époque pour les noms. Et pour le groupe 2, pour les noms, il faut réviser les mots jusqu'au mot sourire. Évidemment, groupe 3, c'est la totalité. En ce qui concerne les verbes, groupe 1, vous révisez les mots, enfin Sarah, tu révises les mots jusqu'à influencer. Et pour les enfants du groupe 2, jusqu'au mot apporter. Ensuite, pour les adjectifs, Sarah jusqu'à talentueux. Et pour les élèves du groupe 2, jusqu'à mystérieux. Enfin, pour les moins variables, Sarah jusqu'à toujours. Et pour les élèves du groupe 2, jusqu'au mot grâce. Voilà, donc vous prenez le temps, une fois que vous avez imprimé cette fiche, de prendre connaissance des mots et de faire un premier entraînement. Et ce sera tout, donc, pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon travail et une bonne journée. Je vous fais des bisous.